bien. Bonjour à tout le monde, bonjour à la team, bonjour Pat Camdem, bonjour à tout le monde, voilà c'est votre mini minor en poste. Donc ce soir, salut David, comment tu vas? Voilà, maman, c'est versé dans le groupe, n'est-ce pas, me voilà. On va d'abord commencer par les devinettes. David, non, la dictée. On commence par la dictée. Tu es top mini. Ah bon? C'est Mélanie qui fait les... Radia Mélanie fait les merveilles. Radia Mélanie fait les merveilles. Radia Mélanie arrange tout. Radia Mélanie dose. Oui, Radia Mélanie fait les merveilles. Mm-hmm. Dites aux pisseuses qui sont aux États-Unis, là. Les petites pisseuses, là. Oui, 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 Seigneur, elle est belle. Mmh. Mmh. C'est Radia Mélanie. Donc, voilà. Stéphanie Delouk. Coucou, salut. Tu ressembles à... Maman, elle ne peut pas ressembler. Elle ressemble à ça. Donc, voilà qu'on peut... Elle de poulet. Voilà KFC qui était dans ses mages. Bon, voilà donc. J'ai dit que je pars un peu faire un tour. J'étais moi en train de marcher. J'étais en train de conduire. Concentré là. Vous voyez déjà, tu conduis. T'es concentré. Tu vois. Tu vois un peu. Ta boucle là est bien placée. Oui, oui, c'est très bien placé, bien sûr. Attends. Maman, est-ce qu'elle a repassé les oreilles? Donc, j'étais en train de marcher. J'ai pris ma voiture. J'ai dit, je vais faire un tour. Je t'aime, mini. Voilà. Cani Josette. Moi aussi je t'adore. Ouais. J'étais en train de marcher, j'ai pris la voiture, j'ai fait un tour. Les gens qui viennent sur Facebook vous faire la publicité, viens. Ah, la chaise ici même est trop basse. Attendez, je vais chercher une chaise. Aïe.
Je cherche une chaise plus haute, beaucoup plus. Je suis là-haut, je suis là. Donc, j'ai pris la voiture, j'étais en train de marcher. Et sur le chemin, qui vois-je? Une fille. Une fille comment? Une fille avec une voiture. Très beau temps. Merci, merci Pat. Merci. Je vois une fille avec une voiture. Avec quoi dedans? Une star de Facebook. Je dis, ah, peut-être je vois mal. C'est pas elle. C'était elle. Regardez bien cette photo. Vous allez me dire ce que vous voyez sur cette photo avant qu'on commence. Merci, Blaiseau, Anna, c'est gentil. C'est gentil. Bah, elle a raison, ta fille, parce qu'elle voit du positif, elle voit de la bonne humeur, elle voit que la lumière. Les enfants sont des anges. Regardez bien cette photo. Regardez attentivement cette photo. Regardez attentivement. Regardez attentivement cette photo. Dites-moi exactement ce que vous voyez sur cette photo. Dites-moi, que voyez-vous sur cette photo? Que voyez-vous? Voilà. Je vais donc vous expliquer un truc. Cette star de Facebook ment. Voyez bien ce qui est derrière. On voit deux trucs sur cette photo. Regardez bien. Devant et derrière. Sur la route du boulot. Regardez bien la photo. Regardez bien. Sur la route du boulot. Là, comme ça, quelqu'un va bosser. Les gens viennent s'asseoir sur Facebook pour vous parler. Smican. Des gens viennent s'asseoir sur Facebook pour vous parler de prostitution. Pour vous parler de si. Mais, laissez-moi vous dire que c'est leur petit métier. Vous voyez un visage déformé, mais à l'arrière, qu'est-ce que vous voyez? Ouais. À l'arrière, qu'est-ce que vous voyez? Vous signalez même sans queue. Regardez. Je n'ai pas encore dit. Ça a même commencé. Dictée préparée. Dictée. Le matelas du wok, merci. Pendant que c'est un travail à Paris, 3 points de suspension. Pendant que c'est un travail à Paris, le matelas. Un mot. Pendant que c'est un travail à Paris, d'autres s'élèvent le matin, portant les matelas dans les voitures, 3 points, se dirigeant vers Évreux, se dirigeant vers la sortie de Évreux, se dirigeant vers la sortie de Évreux. Ce matelas est un matelas de service. Ce matelas est un matelas de service. Ensuite, je ne vais pas être trop long dans mes démarches. Dites-moi à quoi ressemble ce visage. À quoi ressemble ce visage qui est en train de boire de l'eau? 3 points. Je ne vous ferai pas un dessin. Vous comprendrez bien déjà tout ce qui est en train de se passer. Voyez pourquoi les gens me détestent. Parce que je suis du FBI. Se dirigeant vers lieu saint. Se dirigeant vers lieu saint. 3 points. Avant cela, elles avaient bagarré. Avant cela, on l'avait massacré. Point à la ligne. Le cirage. Je suis rapide, je ralentis alors. Le cirage est fait pour cirer les chaussures. Le cirage est fait pour cirer les chaussures. Le cirage est fait pour cirer les chaussures. Mais pendant ce temps, 3 points. Pendant ce temps, virgule,
Certains utilisent le cirage pour autre chose. Certains, point, utilisent le cirage pour autre chose. Certains utilisent le cirage pour autre chose que les chaussures. Ils lavent leur tête, point. Ils font les favoris avec. Ils font les favoris avec le cirage. 3 points à la ligne. Ils scient la tête jusqu'à ce que ça brille. Ils mettent le cirage sur la tête. Point virgule. N'oubliez pas, on va conjuguer les verbes après, hein. Après, on va conjuguer les verbes. On va faire. Ils mettent le cirage sur la tête. Ils mettent le cirage, virgule, sur la tête. Ils mettent le cirage sur la tête. Les blancs ne sont pas fous, point, pour fabriquer le cirage. Ouais, qu'il y a une photo de ça. Et ouais, un arrêt. Faites-moi un inbox de cirage, s'il vous plaît. Oh, je ne sais pas où j'ai mis ça. Oh là là. Oh, j'allais vous montrer ça. Ouais, je vais faire comment pour avoir ça. Ouais, mes quotas sont où? Oui. Mes quotas, s'il vous plaît. Maîtresse, dit Queen. Elles mettent le cirage sur la tête. La nuit, virgule, la nuit, les chauves-souris sont dehors. La nuit, les chauves-souris sont dehors. Et quand le jour les trouve, on les retrouve sur la place en train de bronzer comme ça. Quand le jour trouve les chauves-souris, vous les verrez en train de bronzer ainsi. La chauve-souris est un oiseau ou un mammifère qui ne sort que la nuit lorsqu'il y a les anniversaires. Man, faut peut tricher pour moi. Les chauves-souris sont des animaux, des mammifères qui ne sortent que la nuit lorsqu'il y a des anniversaires. Si le jour la trouve hors de la grotte, vous les verrez comme ça. C'est un stade de Paris. Mettre le matelas dans leur voiture. C'est un star. S'il vous plaît, inboxez-moi peut-être le cirage, non, s'il vous plaît. Ouais, comment vous êtes comme ça? C'est quand il demande que vous ne m'envoyez pas. Envoyez-moi le cirage là pour qu'il puisse montrer, non. Merci. Certains, virgule. Mettre le cirage sur leur tête. Ouais. Vous ne m'envoyez même pas la photo du cirage, pardon. Envoyez-moi, non. Certains mettent le cirage sur leur tête. Certains mettent le cirage sur leur tête. Les chauves-souris volent la nuit. Les chauves-souris sortent la nuit. Après la bagarre d'hier, regardez ce qui s'est passé sur le visage de KFC. Après la bagarre d'hier, ok. Après la bagarre d'hier, après la bagarre d'hier, je vais vous montrer.
contrer le cirage. Certains utilisent le cirage, virgule, pour cirer les têtes. Certains utilisent le cirage pour faire briller le crâne. Le blanc n'était pas bête. Maîtresse, c'est quoi le couéton? Dit Colette, me sucer. Certains utilisent le cirage pour mettre sur la tête. Certains, la comédie avec quoi? Certains utilisent le cirage. Minimino, mets les appels. J'ai pas mis les appels. Attendez, je vais vous mettre des appels. Certains utilisent le cirage pour mettre sur leur tête. Attendez, je vais vous mettre les appels. Certains utilisent le cirage pour mettre sur leur tête. Le cirage qu'on utilise pour les chaussures. Le cirage qu'on utilise pour les chaussures. D'autres en font bon usage avec. J'ai mis des appels. D'autres en font bon usage avec. Personne ne va arracher ma perruque. Personne n'arrachera ma perruque. J'ai donné le numéro, regardez le numéro en haut, parce que après, ces vidéos se retrouvent sur YouTube. Donc, sur YouTube, si je donne mon numéro comme ça, tout le monde va m'appeler. Il y a les gens qui ne sont pas sur Facebook, ils sont que sur YouTube. Vous comprenez? C'est pour ça que je ne veux pas communiquer ça comme ça. Parce qu'après, vous avez les gens qui vont vous appeler, les gens qui ne sont pas sur Facebook, qui vont vous appeler en direct. Voilà. Certains utilisent le cirage pour mettre sur les têtes. KFC, qui devait bastonner quelqu'un hier, regardez comment son visage est devenu. Regardez. Comment son visage est devenu. Donc, la veuve joyeuse, avait les coups de poing, c'est comme ça. La veuve joyeuse, avait les coups de poing, c'est comme ça. Allô, la maîtresse. Oui, allô, mon enfant. Qu'est-ce qui se passe là-bas au dernier bas? La maîtresse. Oui? Qu'est-ce qui se passe là-bas au dernier bas? J'ai dit, on ne triche pas. Hein? On ne triche pas. Mon bic n'écrit pas, la maîtresse. Je peux gratter sur le couetou des gringas. Pardon, la maîtresse. La gringa, 3 points de suspension. Attends, j'ai fini la phrase ici. La gringa, 3 points de suspension. Étant coudée, elle aime laper l'eau comme le chat et comme le chien. C'est vrai, ça, la maîtresse. Elle aime laper l'eau, virgule. Regardez bien sa tête. Elle aime laper l'eau pour sa tête. Voilà, elle fait zouk. La maîtresse, j'ai fini la dictée. Comment? Je n'ai pas le bic, la maîtresse. Demande quand on te coupe le bic. Demande quand on te coupe le bic. Il y a les gens qui vendent le bic ici en classe. Les gens qui vendent le bic. Pardon, prête-moi un peu, casse un peu ton crayon, Nadège Travello. Casse-moi un peu ton crayon, pardon. On va un peu gratter tes mots du comme pour le coq du village. Ça va? Mon bic est cassé. Ouais. Ouais.
Les souvent de rire. Facebook, c'est le goût. Le goût de ça. Le goût Quand de ça, la nettoie. je dis ceci, hein, le cirage qu'on utilise pour la tête. Maman, la photo s'y La maîtresse, on va cirer les chaussures avec quoi, la maîtresse, si on met sur la tête? le cirage qu'on utilise jusqu'à tracer les favoris avec. Le cirage qu'on utilise jusqu'à tracer les favoris avec. Qui vous a dit que le cirage était pour la tête? Qui vous a dit que le Maîtresse, cirage... là-bas, c'est le porc gratté, le cochon gratté d'en face, la maîtresse. C'est lui qui met souvent ça sur sa tête, la maîtresse. Tu ne connais pas le porc qui est chez les voisins d'en face, là. C'est lui qui met le cirage sur sa tête, la maîtresse. Le porc qui fait le dansant et qui met le cirage sur la tête. La maîtresse, on peut écrire aussi que la bouche du porc est comme le pétou des gringas. On peut écrire Mais ça, la comment? maîtresse. Comment? On va me bloquer. Va me bloquer. Je sens que le tout, c'est même pas rater le gâteau, même pour un mois. Écris, écris. Je te vois en train de tricher là-bas. Ne triche pas. Ne triche La pas. maîtresse des Écris. gringas, qui triche? Attends, je vais dire à Gringa comment on écrit les syllabes. Maf nous a appris hier les syllabes, la maîtresse. Gringa, virgule, ne sait point lire ni écrire. Gringa Gringa. écrit cirage. C ici. R-A-R-A. Ah, G-E-J. Cirage, Nige. Gringa écrit. Arrête de me tricher, Gringalette écrit. Voilà. 2 secondes. Gringa, une fille a écrit, j'ai écarté. J'ai 4, ouais. Toi, sinon, toi-même là, tu me déconcentres. Toi-même là, ouais. Ouais, Facebook. Aïe, le goût de ça. Le goût de ça. Roméo Quadio, ben, j'arrive pas à t'inviter, hein. Gringa, virgule, ne sait ni lire ni écrire. Après la bagarre d'hier, après la bagarre d'hier, Gringa a décidé de déménager de Paris. Gringa a décidé de déménager de Paris en emportant sa voiture dans son matelas. Maman, c'est la voiture qui a pas de... c'est grave. En emportant son matelas dans sa voiture. En emportant son matelas dans sa voiture. Merci, Melnelly. En emportant son matelas dans sa voiture. En emportant son matelas dans sa voiture. Cette femme qui parle de piment en longueur est une professionnelle du marché. Est une professionnelle du marché. Je n'arrive pas à bien écrire. Mais que je n'arrive pas à bien écrire, il y a une personne là devant qui parle de moi, il fait le congossa de mon nom. La personne là, non, maman, son nom commence par L. L-O-L-O. L-O-L-O. Elle aime écarter comme ça là, mon maître. Maître, Ma madame le maîtresse, maître, la maîtresse, personne là. Non. Ok, madame la maîtresse. maîtresse. Madame la maîtresse, s'il y a quelqu'un là devant moi qui écarte ses fesses, elle m'empêche de suivre la dictée et d'écrire comme il faut. Cette fille, son nom commence par L-O et ça finit par P-I. D'accord. Son nom, c'est Lolo Pipi.
Elle est assise là-bas. Tout son nom, c'est Mbiakmen Biaï Patricia, alias les Katés Otame, Katé, Katé Mbinda, Ya, avec Avintanke. Maître. Kimajel, il va aller où? Regardez ce qui s'est passé. Ça, ce sont les dernières captures d'écran. Regardez la précision et comment la veuve joyeuse s'est déchaînée. Regardez comment la veuve joyeuse s'est déchaînée. On voit bien comment elle massacre l'autre partie du visage. On voit bien comment elle massacre cette partie du visage. Le lendemain, virgule. Avant ça, virgule. Vous verrez bien à quoi elle a ressemblé après sa bagarre. Après la bagarre, directement. Je vais te taper comme le serpent, disait-elle. Je vais te taper comme on tape le serpent. Et au final, le serpent s'est retrouvé au sol. Le serpent s'est retrouvé au sol. J'étais pas la personne qu'elle venait taper. J'étais pas la personne qu'elle venait taper. J'étais par la personne qu'elle venait taper. Ensuite, on voit ici bien sa voiture. Oui, allô? Hello, Hello, how are you? how are you? I'm fine, you. How are you speaking English? I try to speak English, yes. What is going on? What is going on? What is going on? I'm seeing you showing us something in your phone. What is going on? I am doing video. I am doing dictée. You know dictée? Yes, what is going on? What is going on? Can I just know what is going on? Because you are speaking the language I don't understand. Ah, You are speaking the sorry. language I don't. Ah, I am speak French. French is my language. All people in Facebook, many people speak French. Many people speak French. Yeah, That yeah. What thing is French. is going on? What is the show? What is the show? You are trying to encourage us. What are you trying to tell us? Just say it in English so that I can follow up. Okay, I will speak small English. I will speak small English. Don't worry. Hey, oh yo. Oh Facebook, j'ai tout. J'ai tout. Oh. Maman. Hey, Facebook, oh. Maman, le goût de ça. Hey, on danse un peu, non? On fait un peu mini pause. On fait une mini pause. Le goût de ça. Regardez ici. Après sa bagarre. Bonsoir. Allô? Allô? Hein? Oui, bah je vous entends. Oui, que puis-je faire pour vous? Le goût de ça. Hi? Hi? Qui vous a dit que c'est trop facile comme ça? Venir sur Facebook draguer les femmes, ce n'est pas facile. Tout ce qui brille n'est pas or. Mini chat. Merci. Hello. Hello. Yes. Yeah, good evening. How are you? I am fun on you. I'm good. Yes. So, I want to know the kind of show you're doing. I don't speak English, huh? I speak small English. I don't speak English very, very good. I try to Okay, speak. so, okay, so where are you? Where are you now? In France, yeah. France.
I'm in France. Hello? Yes, I am in France. Okay. We're in France. Yes. Okay. So, can I? Where are you from, you? From Cameroon. From Cameroon. Yes. Okay, which part of Cameroon? Where are you coming from? I'm from Gambia. Gambia. Yeah. Yes. Yeah. Yes, I am from Cameroon. You speak French? Well, but little. But later. Where do Yeah. you stay now? Where do you stay? I'm in Malta. Wait. In Malta. Okay. Call you Yeah. next time because at now I am doing small work. I am speak for people in Cameroon, for people in Côte d'Ivoire, people of many people now which play. Donc, call you next time if you like. Dis-moi en français comment tu dis quoi? Et moi, Je dis, je vous appelle plus tard parce que là, je suis en train de faire un peu de direct. ok, j'ai compris, y a pas de problème. Ok, pas de À tout à l'heure, bye, ciao. problème. Ah, Zamboa. Le direct, il a, hein. Le direct, dont je parle aussi l'anglais, je ne savais pas que je parlais aussi l'anglais. Ok. J'étais au point où je disais que le lendemain, après la bagarre, regardez ce qui s'est passé sur le visage de KFC. Malta. Regardez ce qui s'est passé sur le visage de KFC. Apparemment, les coups de poing de la veuve avaient vraiment lieu d'être. Les coups de poing étaient vraiment. Était vraiment efficace. Les coups de poing de la veuve étaient vraiment efficaces. La façon que la veuve s'est déchaînée, la façon que la veuve s'est déchaînée, moi-même j'ai eu peur. Moi-même j'ai eu peur. Attendez, la maîtresse a envie de secouer un peu son corps. La maîtresse a envie de secouer un peu son corps. On va faire des devinettes. Devinettes! On fait juste une minute minute un peu de rire. Juste une minute de rire. Maman. Attention à toi, ça
Le qui m'ont soutenu. Donc, on continue la dictée. On continue la dictée. Donc, les appels sont ouverts. Hein. Voilà, les appels sont ouverts. Maintenant, voilà, on peut parler de tout et de rien. On a vraiment rigolé. Donc, on a partagé cette soirée de rigolade, de rire. Salut Président Amourout, le seul, l'unique président, notre seule star, l'unique, le seul, le monsieur qui a fait l'honneur et qui continue à faire l'honneur du Cameroun. Un mariage, combien? 7 mariages, une lune de miel, le seul président, le seul qui a gagné. Le seul qui a eu une grosse médaille en France. Il représente la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise en France. C'est pas le Mbrakata. Ce n'est pas un gigolo. Je vous dis que Radia Milani fait mon bonheur. Radia Milani fait mon bonheur. Regardez comment je suis. Je ne suis pas lumineuse. Regardez comment je suis pas lumineuse. Je vous ai dit que, et les relations. Prési m'a acheté Radia Mélanie. Donc, le reste là, au sang. Radia Mélanie, sang qui unifie. Le lait qui unifie la peau. Le lait qui fait briller. Le lait qui donne l'éclat. Le lait qui dose. Bonsoir, Prési. Donc, pendant ce temps, Gringa, 7 mariages. Mais oui, non, où est le problème? Oubliez que je dise quoi? 7 mariages, une lune de miel. C'est une émission qui passe à TF1. Vous n'allez pas comprendre ça chez moi parce qu'on vous connaît. Vous allez aller dire que j'ai dit que Mini Minon avait dit que Prési s'est marié cette fois parce que, quand vous voyez, il y a vos intentions. J'étais en train de dire que le cirage est fait pour cirer les chaussures. Le cirage
est fait pour cirer les chaussures. Le blanc n'est pas bête. Le blanc. Allô? Oui, allô, la maigresse. Oui, on ne triche pas. La maigresse. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qui attend de toi? Qui te chatoue là-bas au dernier banc? Vous êtes très forte, la maigresse. Je vous ai confiné aujourd'hui, la maigresse. Merci, c'est gentil. La maigresse. Non, Oui. je n'ai pas pu m'empêcher d'appeler la maigresse parce que vraiment. Je lis les commentaires de ça. On a un appel là du Danemark. Attends. Attends, on a un appel du Danemark. Allô? Ben là, je vous ai sur le haut-parleur. Je vous enlève sur le haut-parleur. OK. Oui. OK. Ben, je peux vous appeler plus tard. Moi, je suis en direct là. Grâce, je peux pas Ok. aller. Oui, vous pouvez parler. La maîtresse, le commentaire de ça, c'est la mort. Ah, tu as pas Commencez conduit. Tu as pas. garé. Oui. Non, tu as Non, garé ou pas? non. Non, je viens d'arriver à la maison, la maîtresse. Mais je remercie Dieu quand je suis arrivée parce que la maîtresse, j'ai tellement rigolé. Beaucoup de ça, hein. Look. J'espère qu'on ne voit pas ma face, la maigresse, parce que On ne voit pas ta... On ne voit pas ton visage. je n'ai pas pu Non. m'empêcher d'appeler. Il faut Ma oublier. camarade a écrit que l'autre, ma camarade a écrit que ma maigresse n'a déjà pas vendre le piment en classe. Les commentaires. Les commentaires du pain. Je respecte, je C'est ça qui fait le goût. C'est la vidéo ne dose même pas. Hein. C'est les commentaires. Quand tu dis les commentaires, tu peux mourir de rire. Les commentaires. dis que je remercie Dieu comme je suis arrivée dans mon paquet parce que je riais comme une folle. J'ai vu aussi d'autres photos là où. C'est pas la photo qui fait tellement rire. C'est quelqu'un qui dit que donc, on met le cirage jusqu'à ce qu'on fait les favoris à côté. J'étais mort de rire. Le souci n'est pas parti, franchement. J'imagine un peu. On dit quoi? La maîtresse, Ashley, Ashley veut te Une donner. fois ma maîtresse, donc D'accord. j'ai appelé sur ça, D'accord. c'est pas passé. Peut-être, je Ah sais pas si bon? vous avez changé de numéro, ma maîtresse. Non, l'ancien numéro, j'ai changé. J'utilise celui-ci. Dès que je finis le Ok. direct, là, je l'enlève, je mets de côté. Mais qu'à cela ne tienne, je vais laisser. Il n'y a pas de souci. On reste en contact. Parce que Non, c'est ça qui je fait la dois rester joie. en contact avec vous, ma maîtresse. Je vous avais déjà appelé une fois, ma maîtresse. Donc, je vais encore vous inbox sur votre numéro, ma maîtresse. Celui-là. Je t'en prie.
bonsoir, passez une agréable journée. Bonne soirée, ma maîtresse. Pardon, vous pouvez arrêter la vidéo. C'est moi qui dois arrêter. Le goût de ça est... Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Oui. Donc, c'est ça qui fait la joie. Hein. C'est ça qui fait rigoler. C'est ça qui fait le bonheur. La maîtresse. La maîtresse. Voilà, je vous adore. Ne manquez pas ce tour, la soirée des événements d'Antime de la dame, Madame Jagua Amot, qui organise des séances de danse, des contenus. Continue à me signaler ma Jonah, je ne comprends pas pourquoi les gens continuent à signaler les autres. Chacun fait sa part, le direct là-bas. Quand moi je fais ma part, on me signale. Donc dans ce temps, pendant que les gens viennent, oui, allô? Allô? Oui, je suis en direct. Oui, bien sûr. Non, sur l'autre téléphone. D'accord, ok. Attends, je te mets sur le haut-parleur. Bonsoir, c'est ta faut qui me parle. Tu as coupé juste la musique. Oui, j'écoute, papa. Oui, papa. Tu as vu papa où? Tu as vu papa où, mamie? Ouais. Toi et mamie, elle t'écoute, mamie. Elle dit qu'elle est Mako. Mako, tu as vu ce que l'autre a fait à l'autre, là? La maîtresse. Aujourd'hui, c'est la maîtresse. Je suis la maîtresse. Là. Aujourd'hui. Aïe, qui a coupé comme ça? Allô? Allô? Non, ça va et toi? Ah, je suis là, tranquille. Tu m'appelles là, je suis en direct. Je suis en train de faire le direct là. Sur Facebook. Oui, donne-moi 2 secondes, je te rappelle, sinon on va t'écouter là. Ok. Ok, d'accord. D'accord. Allô? Non, pas encore. Pourquoi? Pas encore. Non. Ok, vas-y, délaisse, continue. Il y a urgence. Ah bon? N'est-ce pas? Hein? Non, je te rappelle 2 secondes, je te rappelle. Non, on t'écoute pas. J'ai mon téléphone, on t'écoute pas. Désolé, hein, j'ai eu 2 appels en live. Ça, 2 appels de ma vie. 2 appels de ma vie. Donc, ça concerne juste ma live. Non, écoutez, hein, vous avez compris ce que ma foi dit dernièrement, non?
Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Vous comprenez ce que je dis? Tout le monde fait des erreurs et tout le monde commet des erreurs. Allô, Otafo? Puis la maîtresse, c'est quoi? Oui. Non, non, j'ai eu des appels. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde commet des erreurs. Si dans la vie, on va être jarreux dès que quelqu'un commet un acte, on l'accroche directement au barbier, c'est pas bien. Il faut qu'on apprenne à pardonner. Même ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé avec ma béa. Tout ça, ça fait partie de la vie. Vous comprenez? Faudrait pas qu'on oublie vite les bons moments qu'on a passé avec des gens. Parce que si on regarde la vie Allô, toujours ainsi, ministre? oui, je t'écoute, attends un peu. Attends, tu vas parler 2 secondes. Si on voit la vie toujours ainsi, on va jamais arriver. Vous comprenez ce que je dis, non? Peu importe ce que quelqu'un fait. Peu importe ce que quelqu'un fait, il faut apprendre à pardonner. Voilà l'histoire qui s'est passée avec ma bia. Tafo aussi a fait sa part d'erreur. Donc, on peut pardonner, on pardonne à tout le monde. Ça ne sert à rien de prendre quelque chose, se mettre sous le cœur et dire, voilà, on déteste quelqu'un. Peu importe. Vous comprenez, on est tous des êtres humains, on est fait de chair. Donc, la chair, on peut commettre des erreurs, on peut commettre des péchés. Vous comprenez, c'est ça. C'est ça. Et les amis, c'est quoi? Quand on dit on est ami avec quelqu'un, il faut apprendre à soutenir quelqu'un dans la vie. Et quand vous êtes avec des gens, il faut être avec des gens. Tout le monde commet des erreurs. Moi aussi, je peux commettre des erreurs. C'est vrai que Tafo peut faire erreur, Tafo peut être par la palata, peut faire ce qu'il veut, mais il reste quelqu'un. Il n'est pas mauvais. Tafo n'a pas un mauvais fond. Laissez-moi vous dire cela. Et tout le monde commet des erreurs. Pareil que ce qui se passe avec ma bière. Donc, il ne faut pas qu'on prenne tout comme ça là. Voilà. Non, non, pourquoi? Faut pas. Faut l'excuser. Ma faut même parler de ça. Ma faut même à parler de ça. Faut être. Dans la vie, il faut savoir prendre des choses. Faut prendre des choses simplement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça. Tout le monde peut commettre des erreurs. Tout le monde peut fuck up. Et quand quelqu'un fait comme il s'excuse, il faut apprendre à lui pardonner. Donc, vous aurez souhaité qu'on se retrouve en train d'insulter tout le monde de la team. Tout le monde, c'est ça. On ne peut pas se retrouver en train d'insulter tout le monde. On ne peut pas se retrouver en train de clasher tout le monde. À un moment, la paix est très importante. Tafo est de la team. Il est de la team. Vous comprenez? Donc voilà, on peut continuer. Voilà, le bout de ça, maman. Allô, Pinot. Oui, je t'écoute. Oui, tu es en Eh, hey, direct. madame, la maîtresse. Allô, la maîtresse. Oui. La maîtresse, je n'ai pas de. Mais moi, j'avais le coup de poing qui s'est lati. Qu'est-ce qui a fait que je suis là, quelqu'un là? Maman, le coup de pont là. Hein. La fille a tellement tapé. La fille a tellement tapé. Maman. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui. La fille a tapé, maman. Taper jusqu'à la bosse que tu veux voir le lendemain. La tigre, c'est bon. Elle est comme si on avait versé le vinaigre partout sur mon frère. En tout cas, t'as faux. J'ai dit, tu as fait un Oui. poste, tu as fait un poste sur ton mur que tu bloques les microbes. Oui, les microbes, non. Tu sais qu'il y a des invités sur ma page, non. Mais parce que les abeilles ont pensé que c'était à eux que tu t'adressais. Les abeilles sont toujours comme ça. Ils sont en train de prendre le côté négatif. Moi, je dis que. Marie de Baga a dit que t'as pour bloquer les micros. J'ai dit que, okay, je vais bloquer les micros, mais je n'ai bloqué même en personne, non. Avec ces gens, non. Personne ne me cache. Ah, C'est elle qui d'accord. bloque les micros, non. Elle dit que je bloque les micros, mais j'ai bloqué alors les micros. Ah, tu l'as bloqué elle-même. D'accord, c'est mieux. Une fois propre. J'ai D'accord. bloqué eux-mêmes. J'ai passé mon temps, il y a des bloqués jusqu'à 2 heures. Elle dit que bloque les micros, mais je les ai alors bloqués eux-mêmes tous. Ouais, c'est propre, c'est tranquille. Elle te connaît où? Elle Elle t'a vu. appelle les microbes, donc ça veut dire que moi je sais les microbes. Alors, donc c'est ça que moi déjà une fois pour bloquer tout le monde. Parce que les teams, on dit que Ils n'ont pas la tête pour réfléchir, ils sont pas des pinceaux, tu vois. parce qu'ils ont cru que les abeilles sont microbes. Non, les abeilles ne sont pas microbes. C'est ce qu'il dit. Il dit que Chauve-souris a demandé qu'il bloque les microbes. Il a bloqué Chauve-souris elle-même avec sa bande. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pas pour les abeilles, c'est pas pour vous. Non, t'as faux. Il a déjà bloqué. Il a bloqué Chauve-souris en même temps avec directement ses abeilles. Donc, pardon. Aïe, maman. Tu vois comment les gens m'appellent en direct. Avec Bon. sa large bouche comme la comme le plat est de pas ça. Qui ça? Attends, j'ai un appel. Allô?
Bonsoir, je te mets en direct. D'accord. Bah oui, t'es en direct là, tout le monde t'écoute. D'accord. Hé, la veuve joyeuse, Oh yeah. oyez, la veuve joyeuse, maman dans la bagarre. Dans la bagarre. La bagarre, c'est ça. Celle qui met d'abord le dos au sol, c'est la personne qui gagne. Ben oui. Viens sauter dans la maison si est. N'est-ce pas? Pendant que fille dit toujours, je vais de la fouetter, je vais fouetter. Je me disais qu'elle devait fouetter la veuve joyeuse comme son enfant. Mais c'est dommage que la veuve joyeuse l'a rendue par terre aux yeux du monde entier. Eh Seigneur Jésus. Non, adieu la force. Non, la veuve joyeuse, tu es brave, chérie. Tu es brave. Celle qui n'a jamais accouché ne peut pas ressentir ta douleur. Nous, qu'on a fait des enfants, on ressent sa douleur. Elle a un retour de couche. Et ce retour de couche, quand la femme accouche, même 2, 3 mois, tu as toujours ça qui coule sur toi. Tu as ce liquide qui coule sur toi. Oui. Normalement, même ce compresseur, elle a vraiment eu la chance de gringaler. Parce que normalement, ça devait jaillir que le sang. Oui, il fallait normalement C'était que sortir le le son. sang. Cette Oui. fille devait faire comment? Avec son mari. Mais vraiment, je viens vraiment aux yeux du monde entier, j'ai été déçue. Le mariage, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle le mariage? Hein? Une femme et son mari comme ça, personne ne peut éduquer l'autre. Le mariage, c'est que soit l'homme montre les bons exemples à la femme, soit la femme montre les Bon bons exemple exemples à au l'homme. mari. Oui, ma chérie. Si les deux sont moutons, là, qui va conseiller que... Non, arrêtons les injures, mais non. Oui. Mais aux yeux du monde entier, quand ça va arriver même au Cameroun, si même les soeurs d'Achille la voient que voilà ce que mon frère est venu chercher à l'Europe, épouser une femme, ils vont se balader dans toute la rue de la France pour bagarrer comme les gros animaux. Ça existe encore, ça n'existe plus. Même dans les pays arabes où il y a les gens, ça n'existe plus. Je n'ai jamais vu ça, même au Cameroun, ça ne se fait plus. Qu'un homme et sa femme marchent dans les rues. Le dimanche, qu'elle devait préparer comme ça, se coucher en faisant la vidéo. On regarde comment elle donne l'exemple aux gens de ses maris. Elle devait donner l'exemple. Ce gringalet devait donner l'exemple aux gens sur Facebook, mariez-vous. Le mariage est sucré. Elle passe le temps à insulter les gens comme vous. Vous allez mourir. Et on va venir retrouver votre corps comme ça. Et elle, le mari, son mari fait à quoi? Son mari fait à quoi? Une dame qui dit qu'elle a l'orphelinat. Elle a un orphelinat. Elle aide les enfants qui sont abandonnés à elle-même. Mais aujourd'hui, c'est ces enfants, ceux qui sont un peu grands, c'est peut-être eux-mêmes Facebook. Eux voient cette dame en Europe en train de bagarrer. Alors qu'elle vient au Cameroun leur donner l'éducation. Mais attends. Mais qu'est-ce qui se passe même? Cette femme, quand elle veut toujours faire les dons, il faut qu'elle bagarre sur Facebook pour demander de l'argent. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Elle peut changer. Elle peut avoir un concept et montrer aux gens, les jeunes mariés, montrer l'exemple aux petites filles camerounaises que vous pouvez vous marier. C'est bien d'être dans la maison avec un homme. Regardez comment on encadre son homme le dimanche. Mais vraiment, pitié pour Papa Paul. Papa Paul. Son Pour... papa Paul, la pitié. Maman, un homme qui Un mange une homme pète au qui montait canapé. dans la voiture, il montait de camp avec sa femme pour manger dans les restaurants. Pour bagarrer. Pour bagarrer et manger dans les restaurants. Pour aller se mettre debout, debout. Jusqu'à elle appelle son mari dans la rue, il va garer où? Il n'y a pas la place pour garer. Mais pitié, quelle éducation. Quelle éducation elle donne à un enfant de 17 ans qui est à la maison. Quelle éducation? Mais imagine-toi que tu menaces les gens, tu promets les gens la bagarre devant un enfant, les enfants de la France. Tous les jours, tu es devant un enfant de 17 ans pour dire, je vais battre tel, je vais battre tel. Mais quelle éducation! Au moins, si sa maison était grande, c'est que ça se comprend. Mais elle a une petite maison que nous tous on voit ça sur Facebook. Mais quelle éducation elle donne à cet enfant? Mais vraiment, c'est dommage. Et j'ai même vu comment quand la veuve joyeuse était couchée, et son mari est venu appuyer, regardez bien même la vidéo. Son mari est venu appuyer la veuve joyeuse par terre. Regardez la vidéo. Hein? Elle n'a pas honte qu'elle parle bagarre avec la veuve joyeuse. Elle appelle sa soeur et elle appelle son mari. Mais c'est dommage. Mais c'est dommage. J'ai regardé ça. Mon mari n'est pas fait pour moi. J'ai regardé avec mon mari. Mais lui aussi, il a crié. Un homme marié qui vient de se marier il y a de cela 2 mois.
C'est elle qui se balade secrète pour aujourd'hui pour dire, je suis au moins déjà avec mon mari. Quel mari qui n'a même pas fait 2 mois? Qui sait si on va faire 2 ans? Elle sait déjà si on va faire 2 ans ou 3 ans ensemble. Jusqu'à elle vient se moquer des gens avec le mari sur Facebook. Mais cette femme vraiment, elle devient folle. Elle est devenue folle, mais elle a épousé un fou. Mais c'est dommage que ce monsieur soit vraiment un fou. Regarde sa belle-maman qu'elles ont montrée au Cameroun. Aujourd'hui, si on tourne la vidéo, on va montrer à sa belle-mère au Cameroun que voilà ce que ton fils a en Europe pour faire avec la femme qu'il est venu présenter au Cameroun. Mais vraiment, je ne reconnais pas papa Paul là comme un babiléké. Hein. Mais c'est dommage, vraiment. Est-ce que c'est un babiléké? C'est pas un babiléké, c'est un gadoua là. Hein. Tu vois, c'est ça, des gigolos de Paris. Ce sont les gigolos. Et on les connaît. Regarde d'abord, c'est lèvres. Quand tu vois ces lèvres là, tu sens que c'est un monsieur qui aime raconter. Parce qu'un vrai homme ne peut même pas se mettre comme ça pour qu'on le fume aux yeux du monde entier. Jusqu'à c'est lui qui demande à sa belle-sœur que descends, tu me filmes sa vie. Dépitiation. Quel trophée eux ont eu hier alors? On veut voir le trophée qu'eux ont eu sur Facebook. Eux ont fait ça à toi, Mini Minon. Maintenant, eux ont fait à Veuve Joyeuse. On attend le trophée. Je sais que ce n'est pas pour demander l'argent pour aller encore nourrir la belle-mère au Cameroun. Hein. Parce qu'eux ont d'abord demandé l'autre qu'on a cotisé ici. Eux sont allés au Cameroun que les colis sont perdus jusqu'aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas pour cotiser l'argent encore pour aller nourrir les parents au Cameroun. Hein. Regardez, une femme qui est en train de bagarrer. Regardez son mari. Regardez son homme est là. Regardez son homme. Regardez, regardez son homme. Regardez son homme. Regardez à côté avec le pain. Regardez son nom. Une femme. Une femme. Regardez. Regardez. Vois le pain. Au lieu que c'est la femme qui va attacher le pain. C'est lui qui porte une main sur son ventre pour aller attirer la bagarre de sa femme. Regardez. Regardez, quand il a appuyé la veuve au sol, quand il a appuyé, parce que c'est lui, la partie là, elle qui t'avait la vidéo. On dit que non, faites comme si on ne sait pas. Dès qu'il appuie, sa femme aussi à prendre le dessus. Non, il tend la main à celui-là que arrête, non, arrête. Sérieux, regardez. Ça, ce n'est pas le saboteur. Regardez vraiment la vidéo. Comment il a appuyé la veuve joyeuse? Il a appuyé la veuve joyeuse, regarde. Oui, et après il dit laisse. La main de la veuve joyeuse. Oui, après. Elle a perdu l'équilibre maintenant. Et cette dame l'a tournée. Mais je regardais par intérêt avec mon mari. Et il regarde, quand il voit que on massacre sa femme, il intervient. Mais quand sa femme. Quand il a fait en sorte que sa femme puisse prendre. Sa femme puisse être un peu à côté, la caisse puisse s'en sortir. Oui, il tend la main que laisser. Et quand elle a pressé la main de et regardez comment il intervient. Quand il sent que sa femme est menacée. Quand il attendez un peu, attendez. Quand il sent que sa femme est menacée, voilà, il intervient encore. Mais normalement, il ne devait même pas accepter sa femme. Il ne devait même pas accepter la bagarre avec sa femme en Mini-Minon. Avec qui la veuve joyeuse? Il ne voit pas que le vendu de la veuve joyeuse qui n'est pas fini, c'est le sang qui est à l'intérieur. C'est parce que cette fille n'a jamais poussé un jour. Moi, j'ai accouché ici la jambe. Mon bébé a 1 an et quelques années. J'ai toujours encore les mains. J'ai encore les mains, il y a des moments quand peut-être je m'énerve comme ça, je réfléchis trop par rapport au Cameroun. Voilà la fouille de passeport qui se perce sur moi, mais parlons frère. On demande à toutes les femmes qui ont déjà accouché, elles vont te dire. Pourquoi une femme vraiment reprend encore toutes ses forces, il faut qu'au moins, mais 1 an, 6 mois. Regardez bien la réaction de cet homme, regardez bien. Regardez bien ça. Ça, c'est le mari de la femme qui est venu. C'est lui qui dit dans la vidéo que filme-moi bien ça. Filme-moi bien. C'est ce monsieur que vous voyez là. C'est monsieur. C'est lui. Le voilà. Regardez bien, analysez bien cette image, vous allez comprendre. Analysez bien, vous allez comprendre. Mais j'ai vu, maintenant j'étais en direct, j'ai vu comment ce qui est venu appuyer la main de la veuve joyeuse. Regardez bien, c'est où elle a perdu l'équilibre. Hein? C'est
Où elle a perdu? Mais le moment que un enfant vient de sortir dedans, il n'y a même pas 3 mois. Comment on va cogner là, on ne doit pas sortir? Comment on va. Normalement, une femme, quand une femme accouche au Cameroun, elle fait 3 mois dans la maison avant de sortir. Salut Kiki Zé, shut up. Elle fait 3 mois de massage de ventre avant de sortir. La prochaine fois, il n'a qu'à aller une fois partir. La prochaine fois, il n'a qu'à partir une fois là-bas en Kaba. Comme il aime souvent partir campagne, là, il part une fois qu'en Kaba la prochaine fois. Mais normalement, elle sort avec son mari comme ça, elle compte dedans et que c'est le sang qui sort à la place de l'eau là. Eux vont faire comment, minimum? Ah, mais une femme qui vient. C'est, normalement, c'est le sang qui devrait ouais. sortir. Hein, tu sais, elle n'a pas encore. Mais qu'est-ce que là, c'est l'eau. Tu sais, c'est l'eau. Elle n'a... Ça fait elle à peine. Combattre la mafou. Si la mafou, les gens font les bons exemples. Mais on attend vraiment qu'elle sorte aussi quelque chose de merveilleux sur la joie, on voit. On attend qu'il donne même un nom comme Tata Dodo a donné partout aujourd'hui dans le 10e, dans le 11e où je travaille, sur le goût de ça. Sur le goût de ça, tout le monde, le goût de. Mais attends, qu'il donne même un nom qui va faire plaisir aux gens sur Facebook. Qu'est-ce que vraiment ce Grégalet a fait? Vraiment que ça a plu vraiment au monde sur Facebook. Non, parlons peu, parlons peu. En dehors des aides à laquelle est partie fait et que c'est les gens de Facebook qui ont cotisé. Hein? Elle est rentrée là, c'est qu'elle n'était pas dans les classes. Je peut-être, je vais rester à la maison, elle peut même mettre les trucs de prière. Vous comprenez, ensemble, chaque soir. Elle dit, ah, enfin, Dieu a touché le cœur de ce fille. Ah, Dieu merci. Elle peut même mettre les trucs de prière. Donc, avoir les vues sur Facebook, ce n'est pas toujours de venir bagarrer et insister. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut que quand elle va aller se donner les dons au Cameroun, il faut qu'elle bagarre pour demander l'argent sur Facebook. Mais ce n'est pas bien. On connaît déjà ce secteur-là. On connaît déjà son petit mais il faut qu'elle arrête avec ça avec son mari. Hein. Il faut qu'elle arrête vraiment avec son mari. Le gars, voilà, elle ne connaît pas comment on épouse une femme, elle reste à la maison, elle ne le bon boulet. Elle s'asseye à la maison le dimanche, elle s'asseye même par terre comme ça, elle font les vidéos à manger pour montrer l'exemple. Ouais, la jeunesse camerounaise, c'est comme ça. Quand tu te maries avec un homme, tu as chrétien ton nom. Maléva pense que c'est toujours aller bagarrer dans la rue là qui fait le mariage. Mais c'est côté animaux. Non, mais franchement, ces gens, ça vaut pas la peine. Hein. Ça vaut pas la peine. Mais la grosseur, ce n'est pas la grandeur. Comme tu mais as c'est dit. C'est dommage que ce gros. Oh, Mino. Salut, qui t'es shut up. Bah, Mino, comment? Mais la femme, c'est son mari. L'homme, c'est sa femme. C'est l'exemple. Mais elle ne voit pas que eux cherchent à détruire les gens. Ouais. Ah mais franchement, voilà, je voulais juste, on voulait juste un peu voir la marque de Kiki Shortop. Tu les jaloux, le médicament des jaloux. Ma marque Baga déjà. Ouais. Comment ta maman pourquoi? La marque qui tue les jaloux. On voit ça en live. Le seul Kiki Shortop tue des jaloux. Oui, il faut pas bagarrer avec maman, okay, s'il te plaît. Non, je bagarre pas, tu vois, Mini Minor, je ne fais pas la poubelle, tu vois, je ne fais pas la poubelle. Ce comportement, il n'y a que les racailles qui vont se faire bagarrer. Mais tu sais, la vie est faite ainsi, il y a tout dans la société, il y a des cas, des cassos et tout ce qui va avec, on est obligé de faire avec. Ah, non, mais c'est bizarre, ça fait mal. Hein. Le chapeau est bien. Hein. Le chapeau là coûte combien? 15 000. Ça monte aux enchères maintenant. 15 000. C'est joli, hein. Franchement. J'ai aimé. Même la casquette que j'avais achetée dernièrement. Là, et l'autre casquette, l'autre que tu m'as offert là, je ne vais pas te mentir, c'est vraiment ouais. super. Et c'est vraiment du solide. Continue à faire ainsi. Continue dans ta marque. Franchement, merci, c'est bien. Tu livres déjà à l'international, tu livres déjà en Europe. Non, mais du courage va de l'avant. Et ça fait plaisir de voir que nos frères t'encouragent. Ça fait plaisir de voir que tu bouges vraiment. Ça. C'est bien de voir les jeunes se battre ainsi. Voilà pourquoi je t'appelle. Ouais, merci. Pourquoi on voit un peu, voilà, on voit un peu le Kikizé, on voit un peu la marque. Même dans le lit, tu as la marque. Ouais! Oui, à tout moment. En tout cas, c'est tranquille. C'était juste un petit coucou, Kiki. Ok, merci, mon frère. Ok. Donc, tu passes une bonne soirée alors. D'accord. Ok, merci. Bonne soirée à toi. C'est le médicament jaloux. Aïe!
Ah ouais, je suis fatigué. Il est quelle heure? Hé, pardon, je vous laisse, je vais partir dormir. Demain, il travaille. Le goût de ça.